C'était quoi Alibi.com ? C'était une société qui pouvait vous sortir de n'importe quelle galère. Ça va encore durer longtemps, là, ta quarantaine ? Bah, les médecins me disent au minimum une semaine. C'était ça, Alibi.com. Mais papa... Félicitations à la future mariée ! De quoi tu me parles ? À la future Madame Van Nuffel. Ah, enfin pouvoir rencontrer tes parents. Fiston ! Ça marche pour toi, ce que je vois ? Tu te maries ! Ouais. Mon cœur ! Mais non, on n'est pas à tourner, là. On va passer dans le vaisseau spatial. Oui, 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 ça va. Apolline et le sextraterrestre, 3 sur 2, première. Ça veut dire d'être mes témoins ? Ah, félicitations ! Toi qui croyais pas au mariage. C'est normal, t'as vu mes parents ? Un alibi, faux parents. Mon père, lui, il doit être charmant et drôle. Généreux, adoré les animaux. En concernant ma mère, elle doit surtout pas être attirante physiquement. Donc zéro charisme, voire transparente. Ah, vous avez déjà rencontré ma mère? Je vous ai dit bonjour en arrivant, mais j'ai pas osé vous déranger. Comment vous avez eu mon adresse? Le faire part. Je suis en galère 2000. Mes parents viennent de débarquer. J'ai dû les ramener chez le voisin, je crois que c'est chez moi. Bon, ça va aller. Je suis stressée. Heureuse de vous rencontrer, Daniel et Apolline. Heureuse de vous rencontrer, Daniel et Apolline. Minute. Je vous ai apporté un petit cadeau. C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Organiser deux mariages. Le même jour. Et dans deux jardins voisins. Oui. Je peux voir. Maman, t'as vu ce qui m'a fait, ce gros con ? Attends, c'est mon père que tu traites de gros con, connasse ? Toi, tu n'insultes pas ma belle-fille. Toi, tu menaces ma fille, on ta gueule, la blonde. Ah ! Non, là, non ! Hein ? Oh, Marlène, aide-moi, fais quelque chose. Oh.